Bien. Enchaîne, enchaîne, enchaîne. Allez, vite. C'est bien, vite. Ah ben voilà, patte, elle court. Je m'appelle Aurélie Guédégbé, je vais avoir 38 ans. Je suis dans le sport depuis toujours, je crois. J'ai commencé la danse, en fait, j'avais 4 ans. J'ai continué dans la danse jusqu'à mes 21 ans parce que j'ai fait du sport de haut niveau en rock acrobatique. Donc j'ai été en équipe de France de rock acrobatique de 16 ans à 21 ans à peu près. Et après j'ai fait la fac de sport, toutes mes études dans le sport, etc. Même collège, lycée où j'étais en sport-études en fait. Et ensuite donc la fac, mes spécialisations après sur métier de la forme, etc. Préparation physique. Et puis me voilà en fait ici parce que en fait à la base moi je suis stéphanoise, mais en faire construire une maison dans le coin et voilà après le travail qui s'est enchaîné et donc du coup voilà je suis dans la plaine du Forêt. L'acrobatique donc a laissé la place au basket. Ça s'est pas trop passé comme ça. Alors c'est de quelle façon? En fait mon mari il est ancien basketteur pro donc du coup forcément il y a eu un moi le basket enfin j'ai toujours aimé le basket même avant mon mari, mais c'est voilà, je suis rentrée dans le basket un peu par rapport à lui, et maintenant par rapport à mon fils en fait, parce que mon fils joue au basket aussi, et je le suis bien attentivement. Et voilà. Et après, bien sûr, ben Émilie en fait, Émilie, c'est elle qui m'emmène ici. En fait, j'ai rencontré Émilie à Montverdun, par rapport à son institut, pas du tout par rapport au basket en fait à la base. Et en fait, elle m'a dit qu'elle était basketteuse. Ça, je lui dis, ah, c'est sympa, on a en fait un point commun. Donc, on a un peu échangé par rapport à ça, on a sympathisé. Et elle m'a expliqué ses douleurs au genou. Et je lui ai dit, ben, pourquoi pas, je vais essayer de t'aider. Et ça fait maintenant 2 ans et demi que je travaille avec Émilie, en fait, que je l'ai prise en charge. Et puis maintenant, elle va mieux, je crois. Enfin, j'espère. Et on essaye d'éviter, en tout cas moi mon travail avant tout c'était d'éviter les douleurs à Émilie, c'était mon travail premier pour elle, ce qui a plus ou moins bien fonctionné parce que bon il y a toujours des petites douleurs mais en tout cas ça va mieux je crois. Et voilà, et donc après bah, la rencontre avec les autres filles parce aussi vis-à-vis de Montbrison, vis-à-vis du BCMF, où on vient voir un match, 2 matchs, 3 matchs, et puis on s'y attache vite, en fait, je crois, à ce club. Et voilà, et puis après, une demande, un échange avec Corinne, et puis voilà, et c'est venu, en fait, au fur et à mesure, avec Mathilde aussi. On a travaillé avec Mathilde, parce que j'ai une formation en posturologie, donc en fait, on a fait un travail, des bilans, pour pouvoir après essayer d'emmener les filles à une compréhension plus de leur corps pour pouvoir travailler correctement après sur la préparation physique. Alors cette préparation physique, vous intervenez combien de fois par semaine? Une fois par semaine. Donc tous les mardis, non? Ouais, c'est ça, tous les mardis, plus après elles ont un plan de muscu à faire donc sur Energym à Montbrison. Vous voyez donc une différence? Est-ce que ça existait ce poste les saisons précédentes ou c'est une nouveauté? Non, je crois pas. Je crois que c'est une nouveauté en fait. Je pense que ça a été une demande de Mathilde en fait. Parce que Mathilde en fait elle soignait des petits bobos constamment, régulièrement. Et en fait je pense que la préparation physique c'est extrêmement complexe. Et même là, hein, une fois par semaine ça reste très peu mais c'est toujours mieux que rien. En fait la base nous avec Mathilde de notre travail c'est de se dire on va essayer de les préparer pour éviter les blessures au maximum. D'essayer d'anticiper. Et voilà, et après, bon, forcément, il y a des choses qui arrivent en plus, hein, mais notre premier souhait, c'était ça, c'était qu'elle se retrouve moins chez Mathilde, et que Mathilde paye moins un petit peu les pots cassés, parce que c'est des contraintes, hein, le basket, c'est des grosses contraintes physiques. Et donc, du coup, bah, malheureusement, on a eu Olga en début d'année. Mais bon, après, c'est d'autres facteurs aussi qui ont fait que, mais voilà, on a essayé de maintenir, en tout cas, l'équipe plutôt stable, avec pas trop de blessures, je crois, tout au long de l'année, même s'il y a eu des petits bobos, hein, forcément, dans une équipe pro, il y a toujours des petits bobos.
Mais c'était notre premier souhait, c'était que vraiment elles aient le moins de douleurs possible. Ça, c'était le premier. Après, il y en a eu d'autres. Alors, les autres ? Ben, les autres, qu'on améliore certaines capacités, qu'on améliore certaines qualités. Parce qu'il y a des choses, les filles, elles conscientisent pas tout le temps ce qu'elles peuvent réaliser. Et à partir du moment où il n'y a pas d'intellectualisation de leurs capacités, on ne peut pas mettre en place tout ça. Et donc, du coup, là, elles commencent à comprendre qu'elles ont plein de qualités. Voilà. Et puis aussi des choses qu'il faut beaucoup travailler, des choses qu'elles n'ont pas. En dehors du BCNF, vous intervenez dans d'autres clubs ou vous avez non, une pas activité du tout. Je travaille dans des salles de remise en forme, d'accord, où les cours collectifs, le plateau musculation, etc. Je suis formatrice en fait en brevet d'État dans tout ce qui est métier de la forme. Et j'ai monté depuis l'année dernière ma boîte de coaching particulier où là j'interviens, mais surtout sur les gens qui ont des pathologies. Donc moi j'aime le côté santé me plaît beaucoup, même si je peux faire plein d'autres choses dans le coaching, mais le côté santé me plaît beaucoup. Alors cette équipe du BCNF, comment vous la définiriez ? Solidaire, un très beau groupe, vraiment, une très belle équipe, des filles très solidaires les unes envers les autres, volontaires, engagé, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Ouais, ouais. Donc vous êtes une coach heureuse. Ouais, très. Vous épanouissez aussi. Ouais, c'est un vrai bonheur de les voir elles s'épanouir en fait. Moi c'est ça qui me plaît, c'est que moi je suis quelqu'un en dehors, en retrait, mais ça me plaît aussi d'être en retrait. Vos abdos, nickel. C'est bien. Encore, super Carla. Allez. Bien. Enchaîne. Allez, vite. C'est bien, vite. Ah ben voilà.